Monsieur le ministre, à l'heure du bilan, c'est toujours en marche, mais c'est en marche arrière. Ma question est simple. Allez-vous réellement revoir votre copie ou est-ce une manœuvre électoraliste à quelques semaines de l'élection présidentielle ? Alors ici, Monsieur Gard, nous sommes devant la mairie de Niederbronn-les-Bains. Et pour moi, ça a été évidemment le début d'une belle aventure qui a commencé le 18 juin 1995. Le football a été quand même déterminant dans ma carrière politique parce que je suis devenu maire de Niederbronn-les-Bains parce que ce sont les Niederbronnois qui m'ont élu, mais pour aller ensuite au Conseil Général ou à la députation, en fait, tous les gens de la circonscription me connaissaient de par le football. Alors ça, c'est une photo que je n'ai plus vue depuis très très longtemps. J'y reconnais mon grand-père, mon père, mes oncles. Et c'est vrai que sur ce site, je suis presque chez moi puisque mon père a fait sa carrière ici, mon grand-père a fait sa carrière ici, donc je suis fils et petit-fils de Schmelzer, comme on dit, puisque ici on allait à la Schmelz. Nous savons que cette paix elle est fragile. Lorsqu'on est venu sur ce site, quand on voit l'âge de ces soldats, de ces jeunes soldats qui ont 18 ans, 20 ans, et qui ont été donc des victimes innocentes pendant la guerre, ça incite les gens à réfléchir. Et j'ose espérer que demain, nous aurons plus d'Europe et mieux d'Europe. J'ai à mes côtés Paul Heinz, qui est non seulement mon suppléant, mais qui est également président de la communauté de communes de l'Outre-Forêt. Nous sommes là chez lui et il va nous parler aujourd'hui des projets de géothermie dans ce secteur. Alors, il faut savoir que le sous-sol de l'Alsace du Nord est extrêmement riche en eau géothermale. Ici, à Rittershofen, l'eau est puisée à 2500 mètres de profondeur. Ce soir, je m'exprime pour la dernière fois à cette tribune. Permettez-moi, avec moins de solennité que le président Ferrand cet après-midi, de dire combien j'ai été honoré et fier de servir la République dans cette belle maison Assemblée nationale. Et je conclurai avec les mots du poète, « Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, quand on est mieux ici qu'ailleurs, quand un ami fait le bonheur, quelle est belle la liberté, la liberté. » Je vous remercie.